Donc en 79 ou 79, je m'installe. J'habitais à Éveley chez les Jésuites dans un grand scolastica qui avait été agrandi, triplé de volume à cause du fameux père Kerckhoff, qui était sociologue de son état, qui prévoyait une explosion de vocation et donc qui ajoutait un étage au bâtiment. Et il logeait une petite communauté de pères blancs par charité. Bon, je ne pouvais plus rester là. En fait, maintenant, il y a plus rien. Il n'y a pas le moindre vocation. Plus de jésuites. Ça est devenu un sort de home pour vieillards. Mais comme je travaillais encore à Promont-des-Vita en attendant de rentrer chez moi, j'ai trouvé un appartement à Éveley dans le banlieue de Leuven, de Louvain, parce que habitait tout près mon ancien professeur de théologie morale qui avait épousé une descendante de Haïlé Selassie, on est resté de très grands amis. Et c'est eux qui ont facilité mon atterrissage matériel, parce que ça a l'air de rien. Mais à 40 ans, je ne savais pas faire des chèques ou remplir des demandes de ceci et de cela. Si, même maintenant, s'il n'y avait pas Christiane ou Madame Mike, comme on l'appelait au Sénégal, je serais absolument exsangue. Je suis totalement nul et non avenu dans la gestion du quotidien. Bon, je bricole, je chipote, mais tout ce qui est finance et mercantilisme, c'est absolument impensable, impossible. Je ne sais pas comment remplir des chèques. Je n'ai jamais fait de chèques. C'est ça qui est terrible. Si tu vis dans une communauté, tu es infantilisé au niveau de la survie darwinienne, si tu veux. Ça baigne, tu es toujours sur un nuage, tout va, si tu veux, tout d'un coup, tu es là, tu ne sais pas qu'il faut s'inscrire à la mutualité, qu'il faut être résident officialisé, etc., etc. Tout ça a été fait automatiquement par tes supérieurs ou par les pères économes. Donc, je suis très content d'avoir pu atterrir en douceur dans la vie réelle grâce à mes amis Vérag. Quand j'ai dit, ça c'est important, je suis sorti non pas parce que j'avais trouvé l'anima qui allait complémenter à table et au lit mon animus. Ça est venu en supplément et par la suite, et je ne regrette rien, il ne manquerait que ça, mais il est absolument crucial parce que quand tu dis que tu es défroqué, on dit oui, mais c'est parce que tu n'arrivais pas à te maîtriser, tu étais hypersexué, ou c'est la crise de la quarantaine, le démon du midi. Absolument pas. Dans mon cas et dans d'autres cas, ce n'est pas ça. C'est une question d'incompatibilité idéologique et institutionnelle. Et l'Église a trop facile à insinuer que c'est toujours parce que les types n'étaient pas mûrs, parce qu'ils n'arrivaient pas à se contrôler, etc. Mais ce n'est pas vrai. Les problèmes sont autrement plus graves que ça. J'ai écrit un article qui m'a beaucoup plu, toute modestie à part, pour une revue des chrétiens de gauche, Goliath, sous le mariage des prêtres, en disant que le problème n'était ni le mariage ni le prêtre, parce que
le mariage a disparu du décor et les prêtres, ça n'existe plus non plus. Donc c'est un vrai faux problème, c'est un problème ethnocentrique. C'est des vieux curés occidentaux qui se sont mariés, qui veulent encore fonctionner comme prêtres cool, relax, pas clérical. Mais c'est ethnocentrique et c'est totalement dépassé. De toute façon, comment est-ce que vous pouvez avoir des prêtres mariés dans des systèmes polygames ou des systèmes où c'est la polyandrie, où c'est une femme qui a plusieurs maris? Ça veut dire, si vous permettez le mariage des prêtres, vous êtes de nouveau en train d'imposer une solution occidentale à des gens qui n'ont rien à cirer avec le mariage petit bourgeois, papa, maman et 1,7 enfants, tel que prévu, non pas par Jésus. Lui, il était anti-famille, pire que les anti-familles Lange et Cooper des années 60. Jésus, il ne pouvait pas piffer la famille. Il a claqué la porte, il a conspué sa propre maman. Il disait, écoutez, si la famille, c'est un clan, c'est un carcan, il faut s'affranchir. Si vous n'haïssez pas votre papa et votre maman, vous ne pouvez pas être chrétien. Des bons catholiques théologiens disent non, c'est une exagération. Mais non, c'est pas une exagération. Jésus était anti-famille, du point de vue purement exégétique, parce que de toute façon, pour lui, c'était la fin du monde. Donc on allait plus se marier, il n'y avait pas de problème. Donc, qu'il ait couché avec Marie Magdalène ou pas, c'était son problème. Il n'allait pas se marier quand tout était. Quand ce monde-ci, avec le mariage, était fini, si vous voulez. Et donc, c'est pour dire qu'il est important de reconnaître qu'on peut quitter l'Église et le sacerdoce pour des motifs autrement que de faiblesse morale ou d'immoralité congénitale ou Dieu sait quoi. Il est vrai qu'après, heureusement pour moi, je suis tombé sur Madame Mike dans des circonstances assez fascinantes. Ça veut dire, à l'époque en Belgique, il y avait un programme très suivi à la télévision qui était, je ne m'appelle plus, elle va m'engueuler pour avoir oublié ça, mais il y avait un programme où les gens devaient bouquiner sur des pays et passer à la télévision et répondre à des questions extrêmement pointues sur les pays qu'ils avaient reçus la semaine auparavant. Donc, pendant une semaine, il fallait bosser, consulter, photocopier tous azimuts. Et puis, à la télévision, on te demandait bon, quelle est la production en kilowattheure du barrage Inga au Zaïre en 1957. Des questions extrêmement pointues. Et si vous n'arriviez pas à répondre, vous aviez droit à trois réponses en téléphonant avec un walkie-talkie à l'époque à des experts externes. Et ma femme, Madame Mike, comme l'appelait mon chauffeur sénégalais, avait gagné les quatre dimanches de suite et le cinquième dimanche, c'était la Tanzanie. Et donc, via un père blanc, on a dit, il y a un père blanc qui a fait la Tanzanie, qui pouvait peut-être vous aider pour ça. Et son père est venu à Promondevita chercher la documentation. Donc j'ai rencontré mon beau-père avant, ma femme. Il est venu chercher des bouquins pour aider sa fille à épaissir sa connaissance de la Tanzanie. Manque de peau, elle a répondu à toutes les questions. Donc je n'ai pas servi à grand-chose. Mais après, et je suis venu montrer les diapositives que je vous ai montrées tout à l'heure. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés au lit avec quatre enfants. Parce qu'au grand séminaire, on n'a jamais expliqué comment il fallait s'arrêter. On a dit qu'il faut procréer, multiplier, croître et remplir la terre. Mais on n'a jamais dit, bon, ça s'épuise faute de mieux ou, parce que ça s'épuise tout simplement. Mais on a quatre enfants, quatre beaux enfants, et une demi-douzaine jusqu'ici de petits-enfants, et on est très heureux, si tu veux. Ça ne pose pas de problème majeur. Entre-temps, quelqu'un que tu connais, le grand frère Albert Doutreloup, qui était professeur d'anthropologie
à Louvain, m'a dit, Mike, écoute, je dois donner cours à Fondation Université Luxembourgeoise, mais qui n'est pas à Luxembourg, qui est à Alon, et je ne peux pas y aller, est-ce que tu ne pourrais pas me remplacer? Alors, je suis allé le dépanner, ils étaient assez impressionnés par ce que je racontais, et après la leçon, le vice-recteur et deux de ses collègues m'ont dit, écoutez, nous avons un projet, un institut des sciences de l'environnement. La Fondation Université Luxembourgeoise était un des premiers instituts européens en sciences de l'environnement. Et ils m'ont dit, on crée cet institut, mais on a du mal à recruter des gens parce que les jeunes n'aiment pas trop se compromettre parce qu'ils ne savent pas si en revenant ils auront du boulot et on ne peut rien promettre. Mais si ça vous intéresse, est-ce que vous êtes partant? Et puis ils ont dit, mais il est quand même important que vous soyez systématicien. C'est-à-dire la Bible, c'était l'approche système. Moi, comme les hypothèses de travail, je n'avais jamais entendu parler de l'approche système. Et ils ont dit, oui, vous êtes sûrement au courant. Mais c'est, quelle question, c'est l'ABC de l'anthropologie, c'est l'approche système, n'est-ce pas? Tout est dans tout, les parties, ils étaient soulagés. Moi, je dis, bon, c'est bon. C'est bon. Et un autre problème, c'est moi qui dis un problème, c'est que je ne suis pas belge, moi. Le directeur du projet, un type très sympa qui avait fait le Sénégal comme forestier et agronome, a dit, il n'y a pas de problème. On est un petit pays, mais on est large, ouvert, soyez des nôtres. Je dis, c'est bon. Alors, je retourne à Évelay, à peine arrivé, ça téléphone en disant, Mike, ça serait quand même mieux que tu sois belge. Ça, alors j'ai dit, bon, ça coûte quoi? Écoute, je vous ai déjà dit, j'ai quitté l'Angleterre à 15 ans, j'ai vécu et étudié dans tous les pays de l'Europe, j'ai passé par beaucoup de pays de l'Afrique, je n'ai pas d'identité et je n'ai surtout pas de crise d'identité. Donc devenir belge ou papou ou patagon, pour moi, c'était du pareil au même. Ah, ils ont dit, il faut négocier avec le roi Baudouin à l'époque. Et alors, je commence les négociations. Effectivement, c'était assez long et délicat. J'ai dû apparaître dans un journal flamand en demandant humblement la nationalité belge. Donc, tu avais Michael Singleton, né en Angleterre, etc. Et à côté de moi, dans une autre colonne, tu avais Fatima Ben Suleiman qui demandait la même chose. Et puis à droite, tu avais Abdallah Ben Dieu sait quoi qui demandait la même chose. Je me sentais un peu comme Jésus sous la croix. Et finalement, le dossier est agréé, accepté. Mais à l'époque, pour devenir belge, il fallait absolument que le Parlement vote. Mais c'était une époque en Belgique encore plus turbulente qu'actuellement, où le gouvernement, c'était l'époque du Premier ministre Martens, tombait. On est arrivé jusqu'à, je crois, à 8 gouvernements. Martens, il y avait Martens 1, 2, 3. Chaque fois qu'ils étaient sur le point d'agréer Manas, pof, ça tombe. À la fin, le directeur de la FUL, de la Fondation universitaire luxembourgeoise, m'a téléphoné pour dire, bon, vous partez ou vous partez pas là? Moi, je dis, mais c'est pas à moi de décider. Il faut absolument que le gouvernement... Alors, il a arrangé les choses grâce à un ministre qui était luxembourgeois et qui était noble. Il y a eu une sorte de pression délicate et discrète pour naturaliser en dehors des règles trois candidats à la nationalité belge qui étaient d'utilité publique urgente. Un, c'était un certain Enzo Schifo, qui était un grand footballeur. On avait besoin de lui pour la Coupe du Mexique.
un troisième, je ne me rappelle pas. Et le second, c'était moi. Ils avaient besoin de singleton pour... Et donc, on est passé en coulisses. Et comme ça, j'ai obtenu la naturalisation belge, mais la petite naturalisation. Parce qu'il y a un grand qui te permet de devenir Premier ministre et l'autre qui te permet tout simplement de tenir un friterie ou de vendre des glaces sur la grande place, mais pas devenir quelqu'un de bien. Donc je suis un petit Belge, les Belges ne risquent rien. Et je suis allé... Entre-temps, si j'avais su, j'aurais épousé Madame Mike beaucoup plus vite, parce que si tu épouses, tu deviens, sans rien payer, tu deviens belge. Moi, je me suis fait couillonner, j'ai dû payer, et puis je me suis marié après. Surtout si j'avais pas de maison, mais Madame Mike avait cette belle maison à l'ancien, ici, à Mézeray. Donc, tout est rentré vite dans l'ordre. Je suis allé à Andenne, ici, à la maison communale de notre région. Et un policier gentil tape sur la machine, voilà, singleton. Et là, c'était l'époque où tu avais des sortes de machines électriques qui étaient liées à un central. Et ça commence à crachoter du papier. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est tout ? Monsieur, c'est votre dossier. Non, mon dossier, j'ai pas de dossier. Non, il a dit, en 75, vous avez traduit en anglais un pamphlet des communistes philippins, et, ce qui était vrai entre nous, mais comment est-ce que... Et c'est vrai, on a dit, pour trois Belges, il y a un policier, si tu veux. Et donc, on est très surveillés. Donc, il faut faire attention. Ici, dans le grenier, on ne sait pas où sont les micros. Il y a peut-être un là-haut. On n'en sait pas. Et donc, je suis devenu belge et je suis parti presque aussitôt au Sénégal pour voir comment se mettait sur pied cet institut des sciences de l'environnement à la fin de 79. Avec l'ami d'Outreloup. D'Outreloup était toujours partant, si vous voulez. C'était assez intéressant. Mais je parlerai de ça après. Bon, je fais un premier séjour de tâter le terrain. Je reviens et je dis, je suis partant, c'est bon, ça me plaît, etc. Mais le programme est beaucoup trop lourd. Il faut moduler ça. C'est un troisième cycle. Il faut quand même pas 900 heures de cours, lavage, gavage de cerveau. Il faut des travaux pratiques, des descentes sur le terrain. On avait, et c'est vrai, c'était des années fastes, on avait un budget faramineux. On achetait, un peu comme à Promondi Vita, on pouvait acheter tout et n'importe quoi. On avait un Land Rover, un Peugeot Pick-up, deux R4, du matériel, des microscopes, parce qu'il y avait dans l'équipe des sciences véritables, des forestiers, des agronomes, il y avait un expert international de mycologie, un économe, et puis un ami qui est venu du Congo, qui était zoologue. Donc, c'était une belle équipe interdisciplinaire à cet institut. Un vraiment pionnier, si tu veux. Et entre nous, c'est un des seuls projets de coopération universitaire, non seulement belge, mais tout court, qui a duré, comme on disait au Sénégal. Ça existe toujours. J'ai écrit hier à mon ancien assistant pour lui demander de revoir un texte sur un problème de possession. Donc, l'Institut des sciences de l'environnement, ça marche toujours, si tu veux. La plupart des projets, par définition, implosent une fois que les toubabs, les blancs disparaissent. Mais ça fonctionne toujours avec totalement sénégalisé. Et donc, c'était vraiment un beau projet. C'était pas toujours facile au début parce que bon, l'université à l'époque était encore très franco-français, très à cheval sur les thèses d'État et tous les diplômes. Bon, on se méfiait des petits Belges qui arrivaient.
n'était pas toujours facile de frayer un chemin dans cette jungle de la coopération et de la présence encore massive des amis français. Mais comme j'ai dit, effectivement, c'était un beau projet. On a fait beaucoup de terrain, on a publié pas mal de choses sur la gestion de la faune sauvage. C'est étonnant, si tu veux, moi qui étais théologien et philosophe, je me trouve presque aussitôt lancé dans les histoires de barrages et de gestion de la faune sauvage et 36 joyeusetés, les uns plus terre à terre que les autres. Avec une équipe, c'est important aussi, je crois, d'avoir une équipe qui est soudée presque parce que on ne marchait pas les uns sur les pieds des autres. Si vous avez un département d'anthropologie où vous avez deux ou trois spécialistes en ethnomédecine, entre guillemets, là, il y a des rivalités, il y a des tensions. Mais quand vous êtes un anthropologue, un économiste, un forestier, un mycologue et un zoologue, ça marche très bien parce que vous complémentez et vous n'êtes pas en train de marcher sur les plates-bandes voisines. Donc on a vraiment fait dans l'interdisciplinarité, si vous voulez, sans jamais viser à une transdisciplinarité, mais il y avait une sorte de symbiose, il y avait des synergies. Et comme je dis, heureusement, les sous ne manquaient pas, et donc on pouvait aller vraiment sur le terrain avec les étudiants. On avait fait aussi des jumelages, c'est comme ça qu'on a fait venir pas mal de jeunes belges, pas mal, disons, une dizaine, bon an, mal an, via l'Institut pour faire du terrain à droite et à gauche dans le Sénégal profond. Et ça, c'est de fin 79 jusqu'en 85. Par le plus grand des hasards aussi, comme j'étais l'aîné du groupe, à un certain moment, je me suis retrouvé directeur de l'Institut en question, en attendant la sénégalisation du poste, effectivement, après un an ou deux, le monsieur Bach, qui était devenu après ministre de la recherche scientifique, je crois, a pris en main mon homologue aussi. J'avais, dès le départ, cherché, si vous voulez, dans les étudiants, un homologue, comme on disait dans le jargon, parce que je ne comptais rester que deux années au départ. Mais comme c'était toujours le système français, franco-français, qui régnait, les exigences en termes d'agréabilité académique étaient, entre guillemets, assez élevées. Et donc, il lui a fallu cinq ans avant de pouvoir prendre la relève. On était toujours dans le régime, d'ailleurs, et je crois qu'ils y sont toujours en partie, du test d'État, et non pas, comme en France maintenant, un simple PhD, si vous voulez. Ce qui était intéressant au Sénégal aussi, c'est, comme j'ai dit, j'ai eu la chance, je n'ai jamais programmé ça ni cherché ça, mais j'ai eu la possibilité de connaître, sinon tous les pays de l'Afrique, du moins la plupart des régions de l'Afrique. Le monde bantou, Tanzanie et le Congo, l'Afrique du Sud, je suis allé une fois ou deux, Botswana et ailleurs, l'Éthiopie, absolument hors norme, l'Afrique du Nord aussi, Maroc, Tunisie, Algérie, et puis l'Afrique de l'Ouest, cinq années au Sénégal. Et donc, entre guillemets, par la force des choses, je ne dis pas que je connais l'Afrique, ni les Africains, mais je connais cette
diversité de nouveau incompressible des différents choix culturels africains. Quand de l'Europe, on parle au singulier de l'Afrique, des Africains, quand vous vivez au ras des pâquerettes, vous vous rendez compte qu'ils sont, ils sont tous noirs, mais qu'il y a noisseur et noisseur, que les pygmées, c'est pas les bantous, que les peuls, c'est pas les wolofs, que les wolofs, c'est pas les diola, que le Tchad, c'est pas le Niger, même s'ils sont voisins, et que le Niger est anglophone. Disons, ce qui me frappe aussi, et quand j'y réfléchis, c'est l'impact des pays colonisateurs sur les mentalités et les mœurs, si vous voulez, des gens. Et les Sénégalais, il n'y a rien de plus français, si vous voulez, la vieille France, les beaux discours, les élucubrations intellectuelles, etc., etc. C'est tout le contraire de la Tanzanie, où Nyerere était tout à fait pragmatique, empirique, positive, les pieds par terre. Les Congolais, je ne dis pas qu'ils sont absolument belgo-belges, mais ils sont ni anglophones, ni franco-français. Donc, c'est fascinant, si vous voulez, de voir comment ça a marqué quand même peut-être plus les Africains que les Indiens ou d'autres Asiatiques. C'est une sorte de plasticité de l'âme, sans perte d'authenticité ni de négritude, mais une sorte de plasticité qui les permet beaucoup plus que d'autres peuples de se retrouver un peu partout. Ça m'a toujours sidéré, si vous voulez, de voir comment les amis africains, ils peuvent être un jour très haut et un jour, non pas nécessairement très bas, mais ailleurs. Dans la mission où j'ai appris la langue en Tanzanie, on m'a dit, il faut aller voir ce type-là qui habite tout seul en brousse. Il parle très bien anglais. Et je suis allé effectivement le saluer. C'était un des seuls du village qui chassait encore avec des arcs et des flèches. Et il avait été ambassadeur à la cour de la reine. Il avait pris le 5 o'clock tea avec la reine, si tu veux. Et là, il était là, habillé en peau et en chassant des antilopes avec des arcs et des flèches, comme si de rien n'était. Il avait peut-être fait un péché mortel ou véniel. Il était revenu au pays, comme si de rien n'était. Moi, je dirais ailleurs, les gens se seraient suicidés ou changés de nom. Mais en Afrique, on peut être un jour en haut, un jour à côté. Et c'est assez admirable, cette espèce de plasticité. Que d'autres, bon, il y a des peuples qui ont disparu. Les Patagons, les Tasmans, il n'y en a plus. Ce qui m'a toujours étonné au Congo aussi, malgré toutes les crises et les catastrophes et les massacres et les tueries, il y a une sorte de joie de vivre et une débrouille invraisemblable. À la fois au niveau matériel, mais aussi moral. C'est l'Afrique et le continent qui fait preuve d'une inventivité au niveau religieux, entre guillemets, qui est époustouflant. Bon, ils n'ont pas inventé l'ordinateur ni des moteurs à réaction ou Dieu sait quoi, mais ils ont fait preuve au niveau des nouveaux mouvements religieux et autres choses du genre qui sont pour moi assez fascinants.